Down, jeu du coup français qui vient de sortir. Je vais vous trouver la date instantanément sous peu, qui vient de sortir il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Qui est sorti, voilà, le 29 août en version finale. Donc c'est plus un early access. C'est un jeu du coup francophone. Et du coup qu'on va découvrir ensemble parce que je ne connais ni Dev ni Dana. Nous allons créer une game. Sam, tu m'entends? Mabry. Mabry, je t'entends, dit Sam, mais ne voulez pas parce que je cache. Se dire que ton âme n'a pas atteint sa destination. Mon âme, Mabry, je suis où là? J'ai une réponse, mais elle est un peu vulgaire. Eh bien, ton corps est étendu devant moi, je suis en charge de ton rituel funéraire. Les esprits m'ont soufflé que ce que tu trouvais trop gris pour t'accompagner plus loin. Ou trop rebelle, je n'ai pas tout saisi. En fait, il est mort, mais il n'est pas mort. Je suis mort. Oui, mais c'est le cadet de tes soucis maintenant. Ah bon? J'essaie de te guider à travers les limpes. Ok. Les esprits m'ont glissé que les âmes perdues sont complètement et complaisamment établies. Je suis convaincu de voler quelques-unes de leurs armes et de les amener. Des cartes. C'est Yu-Gi-Oh! Alors, on devrait juste un petit peu bouger notre tête pour que vous puissiez profiter. De ce texte. Parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas en profiter. Voilà. Tu la connais, nous les utilisons des semblables. Tu devrais pouvoir affronter les âmes perdues comme nous le faisions de notre vivant. Ça me va. Sauf qu'ici tu le feras en regardant droit dans les yeux. Papa Legman me protège. Ça marche, ça. On va voir ce que ça donne. Quelque part dans les limbes. Ah! Ah! Donc c'est une map. S'échapper du donjon. Très bien. Récompense, un sceptre magique. Ok. Alors, trouve te mettre à l'habit. L'endroit n'est pas sûr. Qui sait ce qu'il viendra de toi si tu laisses attraper pour une âme perdue. Alors. Donc on ne veut pas passer le tutoriel. On n'est pas comme ça, on n'est pas un homme à passer le tutoriel. Petite musique sympa. Ok, donc là on avance comme ça, on se déplace sur la map. Ah d'accord, on a des actions, bah on a des points d'action, donc on va arrêter d'être bête. Donc là il y a les points d'action ici. On joue avec Mouzoun. Ouais, ils vont parler. Alors pile de dalles. On va tout prendre. Tes cartes peuvent façonner le monde qui t'entoure. Ok. D'accord. Donc on peut mettre ça là. Et tout. Ok, donc ça permet d'avancer. Donc mieux que c'est le premier combat. Donc c'est l'heure du duel. Ok, donc ça va encore être un jeu. Bon, ça va être chiant de trouver un emplacement pour se mettre. Du coup on va se mettre là. Voilà. On va se mettre là, et tant pis, on a vu les list. Alors, comment que ça fonctionne cette histoire? Donc, carte de combat, voilà, on lance les cartes. Les cartes d'un coup, lanceur allié, très bien. Donc, ça. Donc on peut voir la carte dessus de notre pioche, a priori. Là, on ne sait pas ce que fait l'adversaire. À moins que ce soit là ce qu'il fasse. Ça coûte 1. On a combien de mana? 3 points d'action qui sont là. C'est de faire déjà 20 points de dégâts. Ça marche. Ok, donc on peut jouer la carte de la pioche. A priori, c'est peut-être toujours des petites pichenettes. Ok. Donc c'est bien ça ce qui tape. Ah oui, par contre j'ai pas vu nos points de vie. D'accord, ok, on a des vrais points de vie. Voilà, j'étais inquiet, mais on a des vrais points de vie.
Donc là on peut se soigner. Par exemple. On met les points là. On n'a pas de malédiction. On a notre vitesse d'attaque, donc j'imagine que c'est-à-dire qu'on va frapper avant l'adversaire qui tape. C'est automatiquement fin de tour d'ailleurs quand on la bolosse, du coup on va se soigner. Et lui mettre un stock pour le finir. Pour l'instant rien de spécialement compliqué. Récompense, on a un sort supplémentaire. Tu peux mettre la main sur les cartes égarées par les hommes perdus et les intégrer à ton deck depuis tel dédié. Ok. Donc c'est drag and drop. Donc j'imagine qu'on a un nombre de briques fini, c'est ça, on peut pas avoir plus de briques que ça, on en a max. Ça déplacement, d'accord, ça c'est des briques qu'on, des objets qu'on peut avoir à la ceinture. Donc en fait il y a un côté où faut qu'on chope les récompenses, mais on peut pas tout faire, faudra faire des choix en fonction de la map. D'accord. Ça me va. Alors équipement. C'est le deck de combat. Donc on rajoute ça, d'accord, c'est le nombre max de cartes dans le deck, les items, les persos sont des alliés, ok. Je vois une autre arme, prétend n'est pas aussi, essaye de pactiser avec elle, vous avez le même but, bien. Et du coup faut arriver près d'elle, du coup tac, on balance ça là. On va aller vers elle. Perdu aussi complètement. Dans le vêtement, tu viens d'où? De Gaulle romaine, Aquitaine. Ça me dit vaguement quelque chose, c'est d'être en Europe. Toi tu viens d'Afrique. Presque. Et pourtant on n'a aucun mal à se comprendre. L'après-vie prend la forme que convient l'âme qui la traverse. Ok, cette voix. C'est Etus, il y a de la mort, je suis mort. Oui, nous sommes mortes les deux, mais la voix que tu entends, c'est de la sorcière en charge de mes funérailles. Elle me parle aux morts comme moi à l'époque. Donc on a récupéré un casque de bélier. On a Marcus avec nous, d'accord. Et donc on a deux bonhommes avec nous. Te voilà. Toi qui aimes mes cartes, je peux être le seul pour les utiliser. Voleur, tu vas voir ce qu'il y a un coup de stacker au maître du donjon. Il vient directement ce bolos, utilise mes cartes contre moi. Donc c'est lui avec les histoires en prise. Derrière moi, l'Africain, j'ai affronté des barbares géants toute ma vie, c'est pas un sac d'os qui va m'intimider. Donc comment ça se marche maintenant qu'on est deux? Ok, le tapis, un peu d'aide et pas trop déplaire. Là son retrait laisse pas combattre. Donc c'est lui qui combat. D'accord, on choisit. Très bien. Combasser, ça sert pas dégueu. 39. Ok. Et du coup les points d'action c'est pour les deux joueurs, d'accord. Donc on a pris la sauce. On met 25 et moins. Ça j'ai bannissement. On claque un coup massif, tranquille. Et voilà. Ça va. Coiffe de protection et des poudres. Ok. Pas de créer des sorts. C'est utile, je n'aurais pas fait. Tu vas pouvoir améliorer tes cartes comme je te l'ai appris. D'accord. Donc pour améliorer les cartes, on les met là. Si on va jouer ça par exemple. Ça coûte 75 poussières, ça passe de 20 à 29. Quelle arnaque! Oh non, ouais, quand même. Donc là on a d'autres briques. Donc on rechoppe d'autres briques, on prend. Ok. Est-ce qu'on n'a pas trouvé une cafe, une coiffe pour alors pourquoi elle ne peut pas les équiper? Parce que je dois être sur un truc qui ne peut pas kiffer que. Alors c'est une vraie question, pourquoi je ne peux pas équiper? Verrouillé, d'accord. Pour l'instant c'est verrouillé. Peut-être parce que c'est le tuto tout simplement.
je me prends trop la tête. Donc faut que j'aille là. Mais là je peux pas aller. Je récupère mes piles à une, il faut que je me casse. Par où on peut se casser. En fait, faut aller là où il y a un trou. Il n'y a plus de trou nulle part. Ah, il y a ça qui casse, pardon. Ok. Et on sait là qu'on équipe. D'accord. C'est bon, j'ai compris. Finalement, rien d'extraordinairement choquant. Donc on va là, on explose le truc. Et voilà, comme ça, maintenant on peut se casser. Facile. Ah, donc il me vole des trucs. Non, il les met lui-même. Les ennemis bougent à chaque tour. D'accord, on prend toutes les dalles. Comme dirait Béatrice. On récupère toutes les dalles à nouveau. Merci Viken. Les choses de lui-même. D'accord, donc chaque fois ça me prend une action, il fait les choses lui-même. Ok. Il met les choses, voilà. Et du coup, on va pouvoir se barrer du niveau, si j'ai bien compris, en allant là. Je suis jamais allé en Afrique. Moi non plus, je suis né aux Amériques. Je connais pas se trouver en Asie alors. Très bien. Et donc on va là. Donc tuto fait, récompense, un petit bâton, s'échapper du donjon. Très bien, vois-tu sur ton gros légionnaire. L'Africain. Au revoir Marcus. Sam, tu te l'urgeas, je crois que tu es seul, enfin à peu près. Bon ça va, le principe du jeu est ok. C'est très... tu devrais méditer avec moi, yes. Ah, le moment pathos. Terrodia, le produit de conflit. Lorsque M. Lier vous a rendu visite, le village qui a d'abord été séduit. Puis tu as compris que la région est une arme terrible, c'est alors que tu es venu me voir. Chambre de Dembala 1. En combat, votre sort de base dépend de la liste sélectionnée. Effectivement. Ça va. Merci le grand Boa. Merci, merci. Fais aller. Prends le temps de bien te préparer avant de continuer. D'accord. Pour t'enfoncer plus avant d'aller là. Avance Radal fléché. Ok. Donc ces petits bonus entre les missions, voilà, ça permet de s'équiper j'imagine. Et ça lance, d'accord, tuer ce monstre mini Paros, pour avoir des récompenses, bien. C'est quoi comme genre de jeu, des building anglais comme ça, Spire? Tout à fait, avec en plus un petit aspect où tu as des dalles où tu dois choisir un chemin. En fait, tu lootes un nombre de dalles par niveau, t'en lèves une à chaque tour et tu dois te choisir un chemin. La sortie du donjon est où? Il n'y a pas de sortie de donjon, faut que tu Pharos qui est là. Mini Pharos, pardon. Donc là, il y a un trésor. Tuer des monstres, donc c'est l'émission. D'accord. Ouais déjà, ça casse des trucs, on n'a pas besoin pour l'instant. Ça m'intéresse pas. Si on peut le mettre là. Celui-là là, on va pouvoir aller vers le coffre. Alors, qu'est-ce qu'on loot? Que loot-on? Rien du tout en combat pour l'instant. Oh.
Alors, ils veulent me faire quoi? 10-15, 10-15. Donc 310, 10-15, ça va. 60 à 84 et une cible, ça peut les one shot. Ils ont toujours 80 points de vie, ils ont 100. Ça reste ok. 78, c'est bien. On prend la sauce une fois. On prend la sauce deux fois. Donc à noter qu'on ne rechoppe pas une main chaque fois. On va frapper lui. Voilà, on va frapper. Et on va se réduire. On complète juste les cartes manquantes. Double debuff. Et on vire les malices sur nous-mêmes. Voilà. Ça va choper quelque chose d'un peu sympa après. Voilà. 27, 37. Ah oui, c'est vrai qu'on a une carte boostée. 15, 25. On a coup de défense, bannissement. On met la sauce. Il tape à 12. Le tac sacré. Allez. Et c'est réglé. On va pouvoir avoir notre loot. Alors, on a quoi? Détérioration, réduit la défense. Ouais. À des poussières. Coffre, il y a quoi dans le coffre? Botte de célérité et une petite potion de soin. Alors on pique tout ça. Et là voilà, c'est la fin de notre tour, du coup il nous vole une carte. Là c'est pas dérangeant. On a donc activé pas de feu de camp et on a tué deux monstres sur 5. On va déjà aller se choper le boss. Il est là-haut. On va aller vers les briques. On va briquer ça. Alors, tour du joueur. C'est moi qui commence. Construire une attaque tranchante, toujours la même. Il fait quoi, lui? 25-35. Après, la synchronie permet de tuer en deux tours, c'est pas dégueu. Allez. On le tue en deux coups. 9-21, voire en 1. Donc, on va déjà se soigner, se virer les malus. Faire une frappe. Et ben voilà, on le tue. Facile, donne tes briques. File les briques à la marmotte. On prend tout. On est un homme de briques. On a tué 3 ennemis. Faut aller où là-haut? C'est loin. Ne voyez pas ces créatures sur le mur. D'autres âmes que tout ont déjà donné forme à cet endroit. J'aurais pas dû changer à mon passage. Ce n'est pas si important. Compris, tu n'es pas un héros de jeu vidéo. Ça, il me reste plein de trucs pour l'instant, donc tranquille. Rappelons que les ennemis ne veulent que mon bien. Du duel, c'est eux qui m'attaquent, très bien. Et les seuls. Elle commence du coup, c'est pour ça qu'elle a commencé. Mmh. Allez, à son tour. Encore à 202, je suis pas trop inquiet. Petite attaque puissante. Et au revoir, merci en plus. On prend toujours le loot, on aime ça. Et on va voir ce qu'on a droit là. Alors, on va mettre des bottes. Oh, pardon. On est par contre des petits bonus. Bien. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut toujours aller sur le boss. Hein. On veut toujours aller sur le boss. Peut-être lui à tuer sur le chemin pour avoir le bonus de tuer 5 monstres. Allez. Hop,
On va le bolos, on va récupérer quelques trucs et comme ça nous permettra d'aller sur le mini boss derrière, voir ce que c'est, voir si on se barre tout de suite après ou si c'est d'autres choses. Ah. Plus de gaps, plus de critiques, il faut mettre la sauce. Voilà. Ah, on a le soin, on va balancer le soin par contre. C'est vraiment nécessaire ici. Ouais, mais 40-50. Ah oui! Ah oui, quand c'est tabassé, ils ont oublié. Bon, 75 à 105, on peut pas rater, c'est l'avantage. Ça commence à tabasser. Ça me donne le mal de mer, ce truc qui est aussi comme ça, quand même. Aïe. Donc il prend mes cartes. Si on a eu le bonus de pas qu'il peut, on devrait pouvoir aller se faire le mini pharos. Allez, hop, saut. Je suis mort, donc je n'ai aucun besoin physique. Non, mais tu gardes des réflexes de mortel. Ton homme a besoin de méditation. C'est vrai que personne n'attend de la mort pour s'y mettre. Ce petit face palm. Il veut tout dire. Yeah. Je veux dire, il n'y a pas un mouvement infini, le coca. Qu'est-ce que ça donne? Du coup, contre ce boss, si je fais bolos ou pas, 52-59. Ah oui, ça rigole, 0. C'est un soin. C'est pour que ça réduise les dégâts. Là, quand même, 250. Ça réduit les dégâts, ça va réduire les dégâts. Augmente la défense aussi pendant 2 tours, intéressant. Mmh. 93-130, ça quand même me parlait, moi. 52-58. DI kick. Je pars du principe qu'on soignera une fois qu'on l'aura tué. Que là, ça bolosse. Oh, drain de vie, c'est pas très gentil ça par contre. Je suis contre les drains de vie, sachez-le. Ouais. Du coup, il s'est soigné. Ah, et en fait, une fois que notre jeu est terminé, ce n'était pas arrivé une fois que notre jeu est terminé. Bah, il est terminé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Une fois qu'on a plus de cartes, en fait, il ne se recrée pas. Et on a moult récompenses, on peut aller au prochain niveau directement. De voir comment ça se passe entre les niveaux. Donc là, on a fait le premier level. On a fait la chambre de Dembala. Hein. On va avancer vers la chambre de Dembala 2. C'est niveau assez court. C'est niveau assez court, obtenir un objectif, ça change un petit peu. Et par contre, tu dois pouvoir te heal. Sam, il semble que tes pouvoirs reviennent. Alors, on donne accès à tous les équipements de base. Donc là. Ouais. C'est un vrai bonus, hein, vu qu'on n'avait rien. Ok. Alors, voilà. Donc c'est là qu'on peut rajouter des spells dans le jeu, si j'ai bien compris. Et donc ça, en fait, on l'a déjà. Lanceur reçoit des dégâts, élixir d'armure. Ah, tous les ennemis, ça c'est cool. D'accord, pays de temps de construction, c'est sort lié, sort de base, c'est la frappe. Ok. Faut plus mettre de soin parce qu'il en a déjà un quelque part. Par contre, si je veux, je peux enlever les estocs que je trouve nuls ou les bâtiments que je trouve nuls. C'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que je choisis vraiment comment tu optimises tes dégâts. Enfin comment tu optimises ton deck, ça je trouve ça cool. Genre tu te forces pas à avoir plein de cartes en trop ou l'autre. Ok, j'aime bien. Donc là si je change je vais l'améliorer. Ça me coûte 100 d'os et je n'ai pas assez. Okay.
Alors, ça s'équiper. Ah. Ah, ok, ça. Il faut aussi de la DAS d'améliorer. Personnage, on n'a pas trouvé. Très bien. C'est bon, je commence à mieux comprendre. Et là, c'est pour se rendre là où on est déjà allé. D'accord, en fait, ça permet de go back. Ok. Et ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on sait soigner entre les levels ou pas du tout? On est soigné quand même, très bien. Il faut tuer 6 monstres. On aura un début de brèche comme spell en récompense. Sans vrai, envahi d'âme perdue. Ah, tu dois dégager le chemin. Bien. Ok, donc là c'est le retour des mini paros qu'on avait accueillis avant, sauf que c'est devenu des ennemis de base. Un classique. Un classique du jeu vidéo, ça. Doom, si tu nous regardes, je penserai fort à toi. Donc il y a deux feux de camp qu'on n'a pas utilisé précédemment, on va voir ce que ça donne. Ça nous donnait 60 d'un truc, mais je ne sais pas. Allez, c'est l'heure du duel. On sort une épée de notre paquet de cartes, thème le grand Houdini que nous sommes. Et en avant. Donc c'est ça, donc ils gagnent bien des levels à chaque... Plus on descend, plus ils sont forts. Ok. Bientôt 50% du, des goals atteints. Ouais, ouais, on y arrivera un jour. Avant Noël, j'espère. Hi hop, hi hop. 54-76. Ah, il a pris vraiment la dose, lui. Faut lui mettre ça. Et là, on va juste se défendre. Et se pénitencer pour virer tous les malus. Ça, on prend pas. On prend que 28 pour tous les bonus défensifs. Waouh, t'as de plus en plus fort le coquin. Alors, je vais mettre la position de main avant. Prochain tour, on tape de 80 à 113. On y croyait. Heureusement qu'on a tous les malus défensifs du monde, ça a l'air l'enfer sinon. Ah, on peut se soigner, nice. Ouais. Tu essaies de se défendre. Prends 17. C'est un jeu qui est un peu différenciant parce que les stats armure défense sont ultra importantes. Que je cache d'ailleurs, vous m'avez rien dit. Les stats armure défense sont ultra importantes. En fait, vous les voyez là. Vos scores, les bonus, malus, et c'est ultra important de les avoir et de les. Et de ne pas les, de pas les perdre. J'ai pas vu que je l'ai caché, excusez-moi. Je vais le voir à l'instant. En même temps, vu que personne ne suit ce live, qu'il y a personne sur ce chat. Donc on chope les dalles. Quand on l'a, les dalles. On a un petit coffre après. Donc voilà, on le détruit. Oh, ouais! Quel antitinaire de tourner en rond. On essaye que pour avancer le défi. Ouais, j'ai bien vu. Je suis occupé à prendre des points sur Battleground. Encore des gens qui jouent à Battleground en France? En Belgique, je dis pas, mais en France. Un jour sans un monstre de repérer. Dommage. Ok, il va me foncer dessus. Allez, c'est parti. En avant! Attends, je suis le dernier DLC de Borderlands 3. Ce sont des raisons valables. Ce sont des raisons valables. Il tape 125, 29-36. Allez, une petite attaque tranchante pour le bim bam boumé. Prends la sauce, on aura le soin, pénitence et tout et tout. On se défend autant que faire se peut et on espère pouvoir bolosser l'ennemi. Voilà, c'est réglé, on l'a eu. Et un ennemi de moins. Ah, sans plus de récompenses. Plus, plus. Et on peut bouger de rechef. 3 sur 6, l'atteint du gros coffre. Ok, c'est une barbe. Voilà, c'est une barbe, on peut y aller, je pense.
ces monstres sont des hommes perdus ? Oui, des traces de passage, des hommes perdus. Perdus depuis si longtemps qu'elles sont dissoutes dans les limbes. Ah, merci, ça m'arrange. C'est un peu là que je voulais aller, donc it's ok. Allez, c'est reparti. Petit coup d'épée. On soigne. Petite bénée d'armure une fois. Petite bénée d'armure deux fois. On fin de tour ici. Voilà, ce qui permet de prendre que 5. Et que 15. Donc ne pas prendre trop une grosse sauce. Alors essayer de se tapoter des mains. Un autre de flamme sur les deux gens Hugues. Flamme. On fait semi-saucer encore une fois. Voilà, prend 28. Allez, on a tellement de boost défensif qu'on va pas prendre très cher. On prend 7, on va pouvoir se soigner, ou faire une pénitence. Elle finit chimée. Il y aura un simple défi. Décidément. Décidément. Quelqu'un veut beaucoup de mal. Bien. Bon, on a plein de récompenses, on récompense tout. On récupère la pile de dalles. Une deuxième. Ah, ça va, c'est trompé. On peut reprendre des forces. Ok. Ça nous fout le PV. Du coup, on est 5 et sur 6. On va aller activer la statue de marbre. Vous obtenez de la poudre. Nice. Et un succès. Un colis. Allez, on va pouvoir aller au mini Pharos pour faire le 5 sur 6ème monstre. Et bon, le sort first. Très bien. Allez, mini Pharos, toujours aussi énervé. Un petit peu moins vu qu'on a que 200 points de vie. On va commencer par ce qui s'aide à ce premier coup. Et au point de temps, on va essayer d'envoyer la sauce. Mine de rien. Allez, 2 fois 36 et 51. On se protège. Pénitence. Entre des mains. Béné d'armure. Le premier tour, c'est l'attaque tranchante. L'attaque tranchante. Oh, raté. J'ai mis l'état, RNG du cul, c'est honteux. Un petit stock, c'est réglé. Poudre pillée. Et du coup, on peut jouer le prochain niveau, d'accord. C'est comme ça que ça marche. Vu qu'en fait, on peut choisir ce qu'on a. Ah oui, j'ai mis l'étal à RNG, c'est honteux. J'imagine qu'on aura un boss à la fin du troisième étage. Je me permets de supputer. Allez. Genre, c'est la faute de la RNG, évidemment. C'est pas si ouf, il y en a une qui est là. Ouais. Okay, c'est le roi max qu'on doit pouvoir avoir, je pense. Ok. Pour que ça fasse plus de soins, c'est pas plus mal. Alors, peut-être aussi que c'est des armures inutiles, ça c'est intéressant. Ah, d'accord. Ça c'est cool, je l'ai pas vu. Le fait qu'on puisse recycler pour avoir des poudres, oui.
j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ok. Comme ça. Assez. C'est plus dans le deck de combat les Estoc. Ah si, le papa Estoc est encore dans le deck de combat. Le papa Estoc. On va recycler. C'est plus dans le jeu. Retour de flamme, je suis pas fan. Donc, en fait, il y a quand même moyen de choper de la poudre comme ça. Ça, c'est cool. Avec moyen de choper de la poudre comme ça. Ça dépasse tout le monde, ça, c'est bien quand même. Très bien. On va voir ce que ça donne au prochain étage, du coup. Et on regarde plus bas. Personnage Sam. Allez, let's go. Quel est ton avis sur le jeu? Je trouve qu'il manque de profondeur via cette carte un peu pauvre, sinon le concept est cool. Bah écoute, je sais pas, c'est, je le découvre comme j'ai découvert Griffland avant. Je le découvre à l'instant. Donc pour l'instant, j'ai pas encore cette impression de manque de profondeur. J'imagine qu'il y a plusieurs personnages ou plusieurs trucs de gameplay. Mais pour l'instant, j'ai pas encore ce côté manque de profondeur. Puis là, je crois déjà l'âme qui garde ce cercle le plus féroce que j'ai jamais vu. Tu n'as encore rien vu. J'ai envie d'aller tout de suite vers le boss parce que je suis un gros nain. Ah, ça se casse pas comme ça, on dirait. Ok. Faut pas qu'il y ait des choses avant, ça se casse pas comme ça. Allez, j'ai les bolosses, oui. Mais les coups, bien l'avantage c'est que les combats vont vite, entre guillemets. Ok. En fait, ça, c'est typiquement ce qu'il y avait dans Griffland. En fait, voilà, dans Griffland ou Banners of Ruin, l'enrobage est très bon, mais le gameplay est peut-être un peu lent. Là, au moins, ils essayent pas de te survendre le projet, et ça va vite, c'est assez agréable à jouer. Après, pour le nombre de builds différents et autres, je sais que vu que le jeu est sorti la semaine dernière, j'imagine qu'ils ont rajouté des trucs. Ils ont rajouté mal ce truc, mais je trouve le jeu plus nerveux, plus rapide et somme toute plus agréable à jouer en termes de gameplay que Banners of Ruin ou que Griffland. Mais là où Banners of Ruin ou Griffland ont d'autres avantages. Et on peut aller défoncer ça à côté en plus. Et bim. Allez. Donc il y a une tête de nœud. Un peu des mains. Il y a un petit coup des stocks. Sur la tête de nœud, évidemment. Donc on va finir chimer. Parfait. Donc on chope les loot, la poussière, tout ça, tout ça. Il pile de dalles. Prend encore pas mal, je suis pas inquiet. Pas besoin de ces heals. J'imagine qu'il faut que je tue le. Parce qu'il n'y a pas de chemin, donc il faut qu'on fasse des trucs. Ah ouais, il y a une différence là. Donc, voilà. Ah, c'est un pawn. C'est un pion. C'est un petit côté, je vais dire Disgaea, mais c'est pas tactico la peau qui déplace comme ça. On s'impose.
peux avoir l'anneau de flamme pour lui faire du mal au prochain tour. La musique c'est un peu vite trop doux. Ah, je sais pas si ça doit être la musique ou quoi que ce soit. C'est vrai que la musique c'est un peu. J'avoue. Quoi? Qualité intermédiaire, mon dieu! Mais j'avoue que là. C'est un petit peu. Que la musique tourne un petit, effectivement un petit peu. Un tout petit peu. Tout petit peu en. J'avoue. Hop! Pour le technical, la création de donjons se rappelle la mécanique mon vieux Guild of Dungeoning. Dungeoning. J'avoue, et eh ben écoute mon cher Malmalma, je ne me rappelais absolument plus de ça. Je te remercie, tu me l'as bien rappelé, mais je me rappelle absolument plus de ce jeu. Allez, on va continuer à se def. La traduction française est très bonne. Bah le jeu est en français. La traduction est forcément. Enfin, j'espère. On va continuer à se def, se booster les stats. Allez. Okay, faut aller un peu les bolos, parce qu'on perd des points de vie, ça ne va pas du tout. On a gros. Oui, tu ne me taperas pas. Ouais. Un pot des mains. 60, on va pas faire 60. Merci, ça. C'était pas de bol. Je ne tue pas. C'est vraiment été pas de bol. Allez, frappe une fois. Frappe deux fois. Wop 3 fois monsieur c'est fini, au revoir. Okay. Beaucoup de choses récompensos et des piles de dalles. Les Golemons font une bonne équipe. Je suis un méchant qui a l'air méchant. Peut-être, mais plus tant de points de vie que ça. À l'aise. Oh, et qui n'a pas fait ça? Quel gouniafier. Quel gouniafier de bas étage. Voilà, on va aller choper le sarcophage. J'imagine que c'est le bail. Elle est top à la vachette! On va essayer de lui faire du mal. A maximum. C'est vrai que la bande son est un peu. J'avoue que pour le coup, pour la bande son est un petit peu. Elle est un petit peu. Redondante peut-être. Elle peut être un petit peu redondante. Un petit bonus, c'est 10 à 16. Voilà, elle est par un petit desktop derrière. Ah, notre feu. C'est pas tout feu, tout flamme. Parfait, c'est le moment. Et on va l'affaiblir pendant deux tours pour qu'il nous mette moins de choses sales. C'est bien que ça passe automatiquement le tour quand on est fini. Pas toujours ce bouton fin de tour à faire, c'est une bonne chose. Attaquer toujours. Une attaque la vis. Et bim, fin de tour. Voilà, voilà. Il est pas très très gentil. 77. Il nous attaquouille gentiment.
on se concentre. Petite attaque. Ouais, il nous fait bobo. On n'a plus de cartes dans notre jeu. Il faut qu'on finisse avec ses frappes. J'aime bien également ce système où t'es, ton nombre de cartes est limité par ton équipement. C'est un peu le système de. Pas de poids, mais. Qui nous permet de jouer. Ok. Là, je, ce bouton-là, je peux peut-être recycler mon stuff. Je n'ai pas fait attention. Ah, d'accord. Ça laisse son emplacement. Lorsque j'accueille ce moniteur, un pensée fond. Ok. Donc là, on peut du coup aller voir le boss si j'y suis par curiosité. Ok, alors qui est notre nom en rond. Quel enkikina de tournoi. Allez. Très bien. Ah, puis un petit peu parlant en plus, quelle bonne nouvelle. Je demande d'arrêter de tout détruire, monsieur. Je n'en peux plus. On a gros. Allez, case de mouvement. Deux cases de mouvement. Et c'est l'heure du duel. Voir ce que vaut ce premier boss. Saut. Ok, vaste booster en défense. Booster en attaque. Un drain de vie. Est-ce que ça fait quoi? D'accord, c'est bien, ça peut. Ça coûte quelques points de vie, mais on peut le faire. C'est intéressant. J'ai trop d'argent pour l'instant pour que ce soit intéressant. Son armure, ça tombe bien, on vient de se balancer sur la tête. La fin de tour. Ok, donc là c'est le moment où il faut mettre la max, une action en plus. Ah non, c'est rend un peu, donne un point d'action. Alors, on va attendre, on va bien le faire dans l'ordre. Je commence à trouver. A nouveau, tout ça pour demain. On va se donner un peu à l'infini en fin de tour. Ok. Donc là on peut le faire. Oui. Donc là on fait notre jeu. Un petit peu à la deck of Ashes, on perd des points de vie pour faire un build. Là c'est un petit peu pareil. Il nous a tapé, il tourne à 273, et ce tour-ci au moins il n'a plus de bonus, donc c'est le tour où il faut lui faire du mal. Faire du niveau 68. Donc là on ne peut plus rien faire, donc on fait bénédiction d'armure, on fait pénitence, on fait un pot des mains. Alors on prend 32, on met ses PV, on ne perd rien, on fait d'impôts, on fait de concentration. Ça pour tout pour le faire plus mal que ça. Pro 27, il va vouloir se rebooster. Avoc Pound. Okay. Donc il invoque son Pound. Mal.
plus. Le temps que ça, et du coup maintenant on va essayer de lui faire du mal. Parce qu'on n'a pas le choix. Ok, on va invoquer Pawn, attaque de brèche. Frappe. Frappe. Et puis on fait triple frappe. Sauf que triple frappe, ça fait pas grand chose, on va se soigner. Comme ça, c'est faux. Bon, on l'a eu, c'est déjà ça. Par contre, on est mort. C'est dommage. Pas de grand chose, mais on est mort. Quel enfer! Allez, un! Même pas, il nous a tués. Quelle arnaque! Bon, déjà, je comprends pas ça. Le contenu de votre sac disparaît. Oui. D'accord, est-ce qu'on récupère un peu pour la prochaine game, j'imagine? Ah, on n'est pas mort! J'étais persuadé qu'on était mort. Ah non, on recommence au niveau où il était! J'imagine que je viens de mourir, non? La vie, la mort, ce sont ces mots qui n'ont pas de sens. Considère cela comme une épreuve, l'échec fait partie de l'apprentissage. D'accord. On garde notre stuff. On garde notre dust. J'essaie de comprendre ce qu'il y a. Ok. Donc on retourne au même niveau. Ah non, ça c'est où on veut aller. Ça c'est où on est. Et donc à nouveau on a le boss, je suppose. Récompense, par contre il faut refaire les choses. D'accord. En fait quand on ne meurt pas vraiment. Ça c'est intéressant pour les... Attends de voir ce que je te prépare. Ah mais je l'ai tué. Ah oui c'est vrai que je l'ai tué en plus. Ah donc faut peut-être aller haut pour la fin du niveau. Donc en fait par contre tu ne perds pas quand tu meurs. Intéressant. Et du coup il n'y a pas de game over. Le but c'est de rendre le style plus tranquille. Je ne sais pas, je ne suis qu'expectative. Je ne suis qu'expectative sur le fait qu'il n'y ait pas de game over. Quand tu meurs tu puisses reprendre au niveau. Peut-être que tu as une mort autorisée. Je sais pas comment ça se passe. Alors pas du tout, oh, le point là. Des shots du point. One off. Quel RNG dégueulasse. Allez, on va lui ça. Bénis d'armure, kill. On se défend un petit peu et on va aller tapoter le villa. Très bien. On a les bonus. Ok. Mais du coup, on a tous les bonus de dalle. On a une médaille. Ah mais du coup les revenus par contre. On l'a tué mais les revenus. Ah. D'accord, donc en fait il est revenu. Bon là on l'a comme ce qu'on serait comme tué. C'est marrant. Il n'est pas mort, mais il est mort. Oh! Ouais, on va s'attaquer par un mini-force.
On se fait attaquer. On va commencer par une... un anneau de feu. Avec un petit soin des familles. Pour gagner 48 points de vie. Donc un pot des mains. Et on se met des armures pour ne pas prendre trop la dose. Allez, fin de tour. Yes. Ouais. Je vais leur me taper. On va gagner d'armure. On va l'affaiblir. Pour un petit peu tranquillifier tout ça. Voilà. Attaque tranchante, petite attaque tranchante, petite attaque tranchante, bim, 107 là, on aime. Tape 15 donc it's ok. Allez, prochain tour, c'est la dosas. Ah, il veut plus se booster en défense par contre, il est pas très gentil. Attaque occidente. Et abus de brèche. Voilà, parfurlé. Chaloperie, coup sournois, bannissement et poussière. Okay. Donc là, ça fait de la place pour le boss. C'est comme avant, ça. Et on a des petits murlocs à tuer. Pas des murlocs, mais des têtes de cons qui sont que moitié de points de vie parce qu'ils ont été dans le feu. Parce qu'il manquait clairement d'intelligence. Allez, let's go. Soigne. Une attaque et une attaque. On prend la sauce. On a plus que 2 de mana, ça va pas prendre bien, c'est des d'armure. On va faire un affaiblissement. Pour l'affaiblir, comme l'on dit. 36 et derrière ça va le faire. Voilà. Pouvoir se soigner dans le feu, nom de nom, parce que là pour avoir du. De heal. Oh. Alors. Prends tout, hein. Ces métacarbes sont costauds. Je vais dire que c'est plus un jeune. Tant de lol et tant d'humour. On va y retourner, on ne désespère pas. On l'avait battu en plus, quelle arnaque. Quelle arnaque, on l'avait battu. Quasiment tout est verrouillé sauf si je joue sur un. Pour le film 4, un truc qui monte là-dessus. Il y a un feu sur le chemin, ça paraît décent. De vouloir y aller. Ah, ok, il y avait des ennemis dessus. Quel bon choix encore une fois. Quel choix judicieux. Vraiment quel choix judicieux du meilleur joueur français de Long Way Down. Mm-hmm.
Allez, bim, 125, le one shot, critique, le plaisir. On n'a pas pris la dose, allez, c'est parti sur la vachette, top à la vachette. Top à la vachette, donc. Parlons de vachette, on va l'affaiblir, pédé d'armure, un peu de main, on finit le tour tranquille. Plus 36 de dégâts au prochain tour, on espère que ça suffise à nous faire du bien. On peut affaiblir. Un peu soin. Allez. Aïe. Et c'est tout. Sur les deux, c'est parti. C'est pas très très mal cette histoire. Quelle faiblesse. Ouais. T'as vraiment pas fort. Ah, ils ont plus 55 d'armure, j'ai pas vu Kalan. Ok. Je me disais bien que je tapais pas fort. J'ai pas fait attention aux infos. On fera attaque occident double frappe au prochain tour pour lui réduire l'armure, je sais plus. Beaucoup de points de vue, le coquin. Au bout de moi, il ne fait plus que taper comme une brute. Comme un sou. Ouais, faudra vraiment qu'on trouve un truc de ville. Avant d'aller tuer le boss. La dose. Mine de rien. Allez, 60-84. Sachez que si c'est 60 ou 61, j'alte F4. Il fallait le dire. Donc, voilà, on peut enfin changer notre staff et compagnie. Ok. Mais la poudre, on peut rien y faire. Par contre, là, il me faut tellement un heal. Je vais même pas y aller sans heal en fait. Ok. J'ai bien la coffre, c'est un peu le jour, on a pillé le manoir du maître. C'est encore la nappe de chantier que tu m'as rapporté. Sur les bocaux de formol. Alors, il me faudrait un heal ici, parce que c'est là juste le déboîte pour le heal de la Walnut Groove. Et puis pour l'entre Walnut Groove et Bubble Wet, c'est l'enfer ça. Comme essayer. Ah non, il y en a un autre là, oh nice. J'ai pas fait gaffe. Beaucoup plus bien. Oh la vache. Par contre, ils ont essayé de faire une party dans mon arrière-train à ce rythme, ils sont tellement nombreux. Une fois, je me demande si le meilleur plan c'est pas de mourir. Ah ouais, faudrait que j'aille balancer mon soin. Et dans les cartes là, ce serait cool. Avant de tuer l'adversaire.
pas très très la dose. Voilà. Au moins, on s'est un petit peu soigné, un petit peu remonté. Tellement loin de l'univers, de la galaxie, de la Voie lactée, de tout à la fois. Putain, en plus j'ai même plus de briques. Quel calvaire cette ce level. Tellement plus dur que le précédent. Allez, même principe, on va essayer de se soigner pour optimiser le soin avant de le tuer. Choper différents malus, faut enlever les différents malus. De pas le tuer en vrai. Ouais, tant pis. Trop faible. Point faible, c'est trop fort. Vrai point faible. Vrai point faible. Yeah baby. Ça fait ça. Ah, une autre supplémentaire pour le monde, trop bien. Comme je suis plus de briques, j'ai plus rien, bah. Si là il y a briques. Ah, oh, vas-y, YOLO boss. Tant pis, on va voir si on repère ce que ça fait. Carabon te pub sur le jeu. GG, gros donut. Soon, tu vas pouvoir jouer avec moi. On aura autant de points. Oh, j'ai pas fait gaffe, je pense qu'il se boosted. C'est lui mettre des vraies patates en premier lieu. Et on frappe pour l'instant. Ok, nous met cuite, ça va. Encore tous ces bonus du monde. Par contre, on va faire le vieil anneau de feu. Qui est pas ouf. Et une frappe, ça pas mieux à faire. Et on fait un tourifi. Qui est rentré là, il a pas fait plaisir. Tiens, quand ça marche, si je fais ça, ça donne en plus. On peut faire ça. Il invoque son vieux pound. Okay. Oh, quel enfer.
Bon, on va le reperdre, mais on est arrivé avec pas assez de points de vie. Si on le retrouve une troisième fois, on peut l'avoir. Après, c'est peut-être la strat de perdre, entre guillemets, plusieurs fois. Avant d'aussi tuer le boss. I don't know. Mais donc, c'est intéressant qu'on retourne pas au début. Alors après, il y a peut-être, j'imagine, un mode où tu meurs tout seul et tout. Là, c'est assez intéressant. En soi, mon jeu est de le tuer là, c'est juste une question de. Une question de. Stuff. Allez. On a ce qu'il faut, là, on va lui rouler dessus. Ok, donc récompense, voilà. Tuer ce monstre. Donc là, nous devons bien de le tuer. Tu as Minifaro, ça va. Et la map change à chaque fois, c'est intéressant ça. Et le Minifaro, là. Ok, on va faire un last strike comme on dit dans le milieu. Il est là aussi, Minifaro, c'est parti. Quoi? J'avoue, j'ai cru que je t'avais perdu. Je vais essayer de me faire un café sans rien plus en faire avec, j'aime organiser. Ah, il vole des cartes quand même à l'autru. Allons vers ça, voir ce que ça donne cette fois-ci. Attends qu'on a un deck bien meilleur. Un petit affaiblissement. Et un anneau de feu. Voilà, et enfin de vérifier, on prend une sauce. Et deux sauces. Oh oui, fais-moi mal. Bon. Peut-être que je peux tuer derrière un peu. Allez. S'énerve un petit peu, rien de choquant. Si on peut avoir un petit soin, merci la régie de la. On va espérer l'avoir là le soin, qui reste plus que ça dans le jeu. C'est l'avantage, hein. Quand c'est la dernière carte du jeu, tu sais que t'es là sûr de l'avoir à 100%. Allons, on se soigne, on lui claque l'attaque sacrée. Et c'est avec les bonus de malice d'armure. On chope masse truc, dont la popo. On a de la poudre, un homme de poudre avant tout. Et c'est là que ça s'ouvre. Ok. On va s'occuper du coffre pour la même occasion, du soin et aller sur le boss pour ce troisième et dernier try à Nesprong Solbon. Alors. Bien notre site auto. Okay. Ah, l'anneau de l'amour. Petit 46-61 là, fait plaisir. Bim. Voilà. Au moins, quelle bonne nouvelle. Là, comme si on est sur du 100%, très bien, on devrait pouvoir soigner au prochain tour ou pas. Quelle arnaque! Alors, on va lui détériorer son armure. Bon, on devrait pouvoir soigner au prochain tour. Il reste plus que le soin dans le jeu.
Merde, comme à chaque fois. Elle est morte tout seul, mais non, reviens. Reviens, potion de soin, bouclier de diamant. Allez. Là. Oh là là, quel kiki dans tout le monde. Quel enquiquineur de tourner en rond avec en plus l'ennemi qui me vient dessus, quoi. Après, il y a un feu derrière, on va pas se plaindre. Mais eh oh. Mais pour se battre un peu, on va se le faire ce boss là au troisième try. Allez, au moins c'est moult armuré. Bonjour Nitalf. Donc c'est parti à notre feu, on déboîte tout le monde, on fait d'abord l'impôt des mains pour monter notre dégât. On va faire des plus de dégâts stats. Yes, voilà, on prend le tour, on prend les dégâts. Alors. On va essayer de finir lui déjà. Très bien. Merci Nitalf. Fin de tour. On détériore, on affaiblit, on attaque sacré. Voilà, c'est réglé. Il ne fera plus mal. Et on chope des retours de flammes qu'on n'a absolument jamais joué. On se soigne. On met le dernier truc là. Et this time will be the night. La tristitude. Je vais dire, cette fois-ci, on est tout bon pour aller se le faire. Ce paros de mes deux. Allez, let's go. Double réduction d'attaque. Et re la position en fin de tour. Yes. Munition d'armure, pâte absorbante, munition noire. Il remonte à 320, la base. Il va se rebooster. Pas de soins pour l'instant. Juste de la grosse violence gratuite. Il va booster son armure. Donc si on booster son armure, on va en profiter. On s'impro des mains. Ça doit pas être une simple des mains d'ailleurs, je pense. On va pouvoir se remettre des cartes dans le jeu. Ouais, on continue. On a sur un point de vie, donc on peut se le permettre. On va faire l'attaque. On a une popo de vie, donc ça va le faire. On va claquer d'ailleurs. Ça claque la popo de vie. Ça claque le point en plus. Des mains. Et on va faire une frappe. Voilà, on va voir qu'il se full boost. Au prochain tour, on se full boostera aussi. Allez, refait de gains d'armure de suite, c'est pas très gentil ça.
vous. Voilà. 158 pendant 2 tours, tout va bien. On garde notre carte pour le prochain tour, hein, quand on pourra un peu le bolosser, parce que c'est la catastrophe. C'est la maxi catastrophe. On va mettre des frappes toutes nulles à 3. Avec ses stats de port là. On va réduire un peu. Voilà, le tour devrait être le bon quand même. Ouais, le je suis d'accord, la musique est un peu redondante, il manque de pistes musicales. Notamment parce que les combats sont un peu longs. Ça manque de pistes musicales, je suis complètement d'accord avec ça. Oui, on l'a eu. On pourra obtenir un deuxième soin. Prochain niveau. Si je tourne tes cartes, mais si tu me lèches, je suis sorti en paix. Peu, tu crois que j'ai besoin de ces petits tours de charlatan pour régner sur les limbes. C'est ton dame que je remplace par Rose, cette merveille. Ils verront que ça vient à qui. Il faudrait prévenir à passer mes autres gardiens. Bon, la passée, troisième try, hein, évidemment. Je n'étais pas né en Amérique, mais sur les terres de nos ancêtres. J'écoutais encore attentivement les esprits. Moi d'abord près de ton dieu dit que je te regardais parler, cette convergence allait offrir un pouvoir incommensurable. Tu es devenu mon apprenti, je t'ai façonné l'image d'esprit, le feu qui brûle en toi, mais au chevet du cœur. J'ai appris de toi et de notre peuple autant que tu as pris de moi et des morts. Et tu es devenu puissant. Claire de Sparrow, tu voudrais pouvoir fonctionner un artefact de choix. Des petits bonus, tiens, on va prendre les magnifiques bottes du régular. Et du coup là tu passerais à un autre level. Ok. Ok, ok, ok. Je vais m'arrêter là pour A Long Way Down. Je vais m'arrêter là. Le gameplay est plus sympathique. Enfin, plus sympathique, non. Et un peu plus différenciant de. Non, pas différenciant. Plus nerveux que celui de Griftland. Mais c'est peut-être moi qui deviens un peu grognon avec le temps. Mais en fait, l'idée avec la map, les points d'action est cool. Clairement, bon, la musique est un peu redondante, mais ça au pire, tu la cut et tu te mets, tu cut la musique, tu te mets une playlist derrière, ça c'est pas dramatique. Mais ça en fait, c'est peut-être avec le genre des jeux de cartes. Peut-être que c'est avec le genre des jeux de cartes solo où je commence à être un peu... c'est peut-être moi qui me lasse. C'est pas tant la qualité des jeux qui du tout est à remettre en cause. Je pense que c'est une lassitude sur le jeu de cartes solo, là, un petit peu. Que Monster Train a su me hyper cette année. Mais que du coup, j'ai fait un peu de Slay the Spire dans la foulée. Mais que j'ai peut-être un peu perdu. J'ai peut-être l'impression que le genre tourne un peu en rond. Que... Et que ce soit Griftland ou A Long Way Down... Griffland tout comme Banners of Ruin, hein, que j'ai testé il y a quelques semaines. Il y a un emballage, il y a un tout, il y a un enrobage, mais au final t'as un gameplay qui est très similaire à ce qu'on a d'habitude. Là pour Long Way Down t'as des aspects RPG rajoutés, hein, t'as une map, t'as des points d'action pour te déplacer, tu loues des items, t'as un nombre d'emplacements de sorts fixes qui du coup est ton jeu qui est assez intéressant. Du coup en fait ça te rajoute les limitations proches d'un jeu de rôle plus classique. Mais en fait, c'est peut-être juste moi qui suis pas assez aficionado du genre, qui ait kiffé Slay the Spire, qui ait kiffé Monster Train, mais qui kiffe peut-être pas assez le style. Un peu comme j'adore les XCOM, mais j'ai pas envie de faire tous les Wastelands ou les Phoenix Point du monde. Et que les autres jeux sont juste en fait trop dans la vague des mêmes jeux, et que du coup j'ai un peu de mal à m'en différencier. À les différencier et que du coup je me lasse plus rapidement. C'est sûr que je me lasse plus rapidement. Bonjour Luxus. C'est sûr que je me lasse plus rapidement que ce style de jeu. C'est peut-être juste ça le souci de ces jeux et non pas quoi que ce soit d'autre. Et voilà, mais du coup, que ce soit pour Griffland ou Long Way Down, les jeux sont bons. Quand on aime le style, j'ai rien à dire, mais c'est peut-être juste moi qui a un peu l'impression de voir les mêmes choses et qui m'ennuie peut-être plus vite, tout bêtement.